Alors, mon parcours, j'ai commencé par faire un bac économique et social. Ensuite, j'avais pour ambition de devenir professeur des écoles. Donc, j'ai fait une licence de sociologie en 3 ans. Ensuite, je suis arrivée en master MEF pour devenir donc professeur des écoles. À la suite de stages, j'ai vu que ça ne me plaisait pas du tout, que c'était pas du tout ce qui était en fonction de mes attentes. Donc, je suis actuellement en BTS, gestion de la PME. Je me suis réorientée. C'est une formation qui est assez variée. On touche un petit peu à tout, on a de la gestion relation client-fournisseur, de la culture droit managérial, on a de la culture et expression du français, de l'anglais, des ressources humaines, on participe aussi à la gestion des risques et on a des ateliers professionnels. Donc, il faut être rigoureux, méthodique, avoir un esprit d'analyse, avoir de l'adaptabilité, avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et puis avoir un sens relationnel quand même. Alors, moi, je suis issu d'un bac scientifique. J'étais au lycée Camille Claudel à Blois. Je l'ai passé en 2018. Et ensuite, j'ai commencé une licence en langue à Tours, LEA, à la fac. Mais ça ne m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai décidé de reprendre mes études en 2019. Et je me suis orienté vers le BTS NDRC au CFA. Alors, on a deux parties. On a une partie générale avec de l'anglais, avec de la culture générale, donc c'est comme du français, on apprend des textes, on apprend à s'exprimer correctement, parce que c'est important pour un commercial. Et on a une partie professionnelle avec des dossiers professionnels, de la digitalisation, de la culture économique, juridique et managériale, qu'on peut aussi mettre dans le général, c'est pour nous rapprocher un peu plus du professionnel, de connaître les lois, les normes et tout ça. Après, on a eu un cours en fait pour nous expliquer les techniques de vente et puis comment se sentir à l'aise envers un client. Alors, il y a plusieurs qualités indispensables. Une des principales, c'est le professionnalisme, parce que comme on fait moitié-moitié avec l'entreprise, il faut savoir être à l'heure, donc ponctuel, être toujours présent. C'est les qualités requises en entreprise. Et puis savoir travailler chez soi aussi, savoir être assidu en cours, parce qu'il ne faut pas penser qu'à la partie professionnelle. C'est aussi essentiel de bien travailler pour les cours, parce qu'à la fin, il y a un BTS, donc c'est très important aussi. Donc j'ai débuté mon cursus d'apprentissage avec un CAP esthétique, puis un BP professionnel esthétique que j'ai réalisé en Normandie dans un institut de beauté. Afin de valider mes compétences dans le domaine de la parfumerie, j'ai décidé de réaliser un diplôme qui se nomme le CPVE, c'est-à-dire conseillère de vente en parfumerie. C'est pour cela que je suis venue dans la région Centre le réaliser au sein d'une parfumerie. Puis j'ai décidé de commencer un BTS MCO que je vais maintenant presque terminer. Ma formation actuelle, pardon, se présente en 2 étapes. Nous avons des parties professionnelles dans lesquelles nous pouvons retrouver une matière qui s'appelle l'animation ainsi qu'une matière qui s'appelle le développement. Dans ces 2 matières, nous réalisons des dossiers professionnels qui sont à présenter à un jury à l'oral lors de l'examen du BTS. De plus, nous avons également du management d'équipe au sein de ces matières professionnelles. La deuxième partie est composée de matières générales dans lesquelles nous retrouvons la culture générale, l'anglais, la gestion ainsi que la CEJM, qui est une matière qui regroupe l'éco, le droit et le management. Alors, selon moi, les apprenants qui souhaitent démarrer un BTS MCO doivent être des personnes autonomes qui ont de la rigueur et de la motivation à débuter ce BTS. De plus, selon moi, au sein de leur future entreprise, ils devront vraiment prendre des initiatives puisqu'ils sont amenés par la suite à avoir un rôle de manager dans de futures entreprises.
Christophe Houille-Balavoine, responsable de l'unité BTS Formation supérieure au CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher. Donc je vous présente le BTS Comptabilité et Gestion, qui est une formation que nous avons ouverte en 1991 au CFA, en collaboration avec la Chambre départementale des experts comptables à l'époque. Donc ce BTS diplôme délivré par le ministère de l'Éducation nationale se présente sous la forme suivante, une partie que l'on peut qualifier d'enseignement donc général, avec entre autres une matière qui se rapproche un petit peu du français, la culture générale et expression, langue vivante anglais chez nous, culture économique, juridique et managériale. Voilà pour ce premier aspect, et bien entendu il est complété par tout un ensemble professionnel, pratique ou pratique, gestion des dossiers professionnels, ateliers professionnels et techniques. On entend par technique l'enseignement de la fiscalité, de la gestion des ressources humaines, l'enseignement aussi de la gestion sociale, les techniques quantitatives de gestion et bien entendu la sensibilisation à l'outil informatique qui accompagne donc nos étudiants sur ces deux années de formation. Tout cela cadré par des ateliers professionnels qui servent de support au montage de leur dossier mémoire. Les qualités requises pour suivre cette formation sont les suivantes. Nous sommes dans le domaine de la compta et de la gestion, et notamment quand on traite de la paye des collaborateurs, il va sans dire que la confidentialité est quelque chose de très très important. Esprit d'analyse, la rigueur, la gestion des outils informatiques ainsi que des logiciels adaptés à la comptabilité et à la gestion de l'entreprise. Il y a de nombreux avantages à choisir l'alternance. Les apprenants vont pouvoir développer une réelle expérience au sein de leur BTS, puisqu'ils vont pouvoir appliquer ce qu'ils apprennent en cours durant du coup, leur période d'entreprise. De plus, selon moi, les apprenants vont plus facilement trouver un employeur par la suite dû à cette expérience. Et pour finir, les apprentis vont bénéficier d'un salaire. Alors, j'ai choisi cet établissement parce que ma sœur était en BTS comptabilité. Elle m'avait fait de bons retours par rapport à ce BTS et à l'établissement même. Moi, j'habitais à Blois, donc je voulais trouver le centre de formation le plus proche de chez moi. Et après avoir parlé avec des responsables du CFA et les professeurs, je me suis rendu compte que c'était quand même un petit effectif. En effet, il y a 12 personnes dans ma classe actuellement. Et les profs sont quand même à notre écoute et nous aident beaucoup. J'ai choisi le CFA de Blois puisque c'était un choix de proximité avec l'entreprise où je travaille et avec mon lieu d'habitation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé donc sans établissement après ma licence. Et j'ai décidé de revenir vers les études professionnelles, enfin de venir, parce qu'on m'a conseillé de m'orienter vers l'alternance pour faire moitié-moitié entre l'entreprise et l'école, parce que c'était peut-être mieux pour moi à l'époque. Et donc j'ai décidé de venir au CFA parce qu'on m'a conseillé cet établissement, on m'a dit que c'était très bien encadré. Et puis je suis venu postuler ici en expliquant mon parcours et j'ai été accepté. Il y a beaucoup d'étapes importantes dans la recherche d'une entreprise. Tout d'abord, il est important de commencer les recherches tôt dans l'année, de façon à avoir un laps de temps assez large pour trouver son futur employeur. De plus, il est important de se présenter directement aux entreprises et non pas d'envoyer des CV par mail ou de contacter les entreprises par téléphone. Et ce qui est également très important selon moi, c'est d'écrire sa lettre de motivation à la main et non pas de la taper à l'informatique. Voilà, vous allez beaucoup plus démarquer votre candidature en vous présentant spontanément et en ayant mis du travail à l'œuvre, on va dire, en ayant écrit votre lettre de motivation. Et pour finir, selon moi, l'attitude professionnelle est à avoir absolument et une tenue professionnelle lorsque l'on se présente aux employeurs.
Thank you.